Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn. Je vous invite tous à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, faites cliquer là-dessus. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos parce que ce qui va suivre, ça va être chaud. Nangs Reborn. Mes frères et sœurs, bienvenue. Nous sommes bien sûr Nuance Reborn. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler des jouets pour enfants ou encore de ce que vous pouvez offrir comme jouets pour enfants, mes frères et sœurs. Mais des choses à ne pas faire. Quand vous offrez des cadeaux d'enfants, sachez vraiment ce que vous devez offrir. Parce que si vous offrez ces choses-là, ça va te tourner mal. Et les images qui vont suivre vont nous en dire plus sur le sujet. On va tout donner plus de sujets directement. Franchement, ça va être chaud. C'est parti. Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un dessin animé. Et un père ou une mère, une maman peut offrir un dessin animé du genre un truc pareil à son enfant tranquillement pour dire oh mon enfant va se divertir, mon enfant va s'amuser. Mais attention, il y a des dessins animés occultes. Il y a des dessins animés à occultes. Et ici, on voit un homme, un personnage de dessin animé avec une carte. Et cette carte est appelée une carte magique. Ah! C'est là que tu dois te poser les vraies questions. Une carte magique, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qu'on utilise tout simplement pour invoquer les mauvais esprits. Les mauvais esprits, ou encore les démons. Est-ce que c'est ce que tu veux pour ton enfant? Est-ce que tu veux que ton enfant devienne un ritualiste ou un sorcier? Non. Ça veut dire que les dessins animés que nous regardons la plupart du temps, ou encore que les enfants regardent la plupart du temps, qui sont les dessins animés occultes, préparent déjà l'esprit de l'enfant à recevoir quoi? La sorcellerie. C'est là que nous devons vraiment faire attention, et je dirais même plus attention qu'attention. Hein. Parce que derrière tout ça, je trouve des choses assez compliquées. Et les parents peuvent offrir des jouets comme ça. Des pistolets à eau. Parce que eux-mêmes, de leur force, ils les ont utilisés. Ah! Là encore, il y a un problème. La pistolet. Qu'est-ce que ça s'appelle pistolet à eau? À première vue, on va dire que oh, c'est une fossile. Ah, qu'est-ce que ça peut faire à un enfant? Toutes ces histoires. Nous, on l'a dit. Les armes que le diable utilise pour nous combattre parfois sont tellement simples. Et on se dit que il n'y a pas de problème. Quel est le problème avec ça? Il y a juste de l'eau là-dedans. Mais c'est comme ça que ça commence. Et ça prépare déjà l'enfant à ça. Regarde, ils sont devenus des grandes personnes. Mais regardez ce que ça donne. Ils continuent toujours à s'amuser avec. Parce que dans leur enfance, ils ont appris à jouer avec des pistolets à eau. Et c'était amusant. Mes frères et sœurs, faites très attention à ce que vous offrez comme cadeau à vos enfants. Même si ce ne sont pas des pistolets à eau, ce sont des pistolets en jouet, c'est la même chose. N'offrez pas de telles choses à vos enfants, s'il vous plaît. Regardez encore ici. Là, on se trouve dans un jeu vidéo. Et dans ce jeu vidéo, les gens passent le temps à tuer les gens. Et il y a un mode qui s'appelle le mode zombie. Et dans ce mode zombie-là, les gens, ils jouent et ils tuent les démons. Ou encore des créatures qu'on appelle les zombies. Mes frères et sœurs, c'est réel. C'est même plus réel que réel. Oh, voilà. C'est vraiment plus réel que réel. Regardez. Toi, tu vas offrir un truc pareil à ton enfant. Mais que va-t-il se passer dans sa tête après avoir joué à un tel jeu? Ce jeu va tout simplement le préparer à recevoir aussi des zombies en songe. Qui sait, parce qu'on initie aujourd'hui les enfants aussi dans leurs rêves. S'il y a un sorcier qui veut vraiment initier ton enfant, il va chercher à savoir ce que ton enfant regarde des dessins animés occultes. C'est-à-dire les dessins animés où il y a des symboles occultes, où encore il y a des démons, même des jeux d'où il y a des démons. Faites attention, mes frères et sœurs, faites vraiment attention. Waouh, regardez ça. Ah! Les parents ont laissé seule la fille devant la télé. Et regardez ce que la fille a dû regarder. La fille, l'enfant est plongé dans un autre univers que ses propres parents ne maîtrisent plus.
mes frères et sœurs, les mamans, les papas, nous allons vous dire, ces choses sont bien réelles. Elle a même abandonné sa poupée. Quand une fille abandonne sa poupée comme ça, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui l'a attiré sur la télévision, dans la télé, quelque chose qu'elle a vu. Qu'est-ce qu'elle a vu, mes frères et sœurs? Faites vraiment attention. Et là, ça devient grave. Quand on laisse les enfants face à leur ordinateur, les enfants sont exposés à toutes sortes de choses. L'enfant peut tout simplement tomber sur une image bizarre, un contenu vraiment étrange. Et il va dire, mais ah, où suis-je? Mais où suis-je? Suis-je dans un autre monde? Effectivement, parce qu'il y a des choses dans ce monde qui plongent les humains dans un autre monde. Et l'enfant est face à un ordinateur et il s'écrit ce qu'il a certainement vu, un site pornographique, une vidéo ou une image pornographique. Il y a des choses que l'enfant ne doit pas voir. Et ce sont des choses qu'on ne doit pas offrir à l'enfant. Sinon, si vous offrez un ordinateur à un enfant, enseignez l'enfant sur ce qu'il doit savoir. Parce que si vous n'enseignez pas l'enfant sur ce qu'il doit savoir par rapport au site pornographique, ce qui va se passer, c'est qu'il va tomber sur cette image-là. Et ça va produire cet effet. Le cadeau que tu offres à ton enfant pour son anniversaire, c'est le même cadeau qui lui crée des problèmes. Ou le diable a utilisé ce cadeau-là pour lui créer des soucis. Fais attention. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un film. Un film que tout le monde regarde. Y compris les enfants. Parce que le personnage de ce film qui est là, c'est une poupée. Ah! Mais quel est le rôle que joue cette poupée? Le rôle que joue cette poupée, c'est qu'elle tue les gens. Cette poupée n'est pas une poupée ordinaire. C'est un démon qui est à l'intérieur de cette poupée, qui anime cette poupée. Et cette poupée passe son temps à tuer les gens tout au long de ce film. Et c'est ça que tu vas offrir à ton enfant. Qu'est-ce qu'il va recevoir comme enseignement? Dans sa tête, ça va devenir meurtre, meurtre. Et un jour, si tu ne fais pas attention, toi-même vas te tuer un jour. Fais attention, regardez ça. Ça, c'est dangereux. Il faut vraiment éviter que les enfants regardent des films d'horreur. Évitons ça. Si tu veux offrir un cadeau à ton enfant, ne dis pas, ah, cette poupée-là a joué un rôle bizarre dans le film, mais c'est une poupée que ton enfant aime, tu vas lui offrir ça. Non. Et il y a des enfants qui vont marcher avec les parents. Ah maman, poupée, la poupée elle est jolie, la manière de tuer son action, le rôle que la poupée a joué dans le film c'était bien. Donc moi franchement, j'aimerais avoir cette poupée. Et la maman s'est dit, oh mon enfant est joli. Tiens, tu as tout compliqué la vie à ton enfant sans le savoir. Et le diable va entrer dans ta vie. De la même manière, dans le film, un esprit vient s'incarner dans cette poupée pour l'animer. De la même façon, cette poupée là dans la vie réelle, elle peut bouger. Et on a vu ça dans la vie réelle. Même les poupées qu'on offre aux enfants, je préfère vous dire de les éviter. Regardez ça. Là, nous entrons dans un autre monde. Quand on parle des esprits qui rendent les choses qu'on offre aux enfants, là, ça devient grave. Là, on voit deux filles, deux jolies filles. Elles sont juste assises là comme des reines. On ne sait pas ce qui ne va pas avec elles. Qu'est-ce qui ne va pas? Elles sont tout simplement assises comme des reines. Et elles sont habillées comme des sirènes. Regardez, avez-vous déjà vu un humain avec la queue de poisson ou une femme avec une queue de poisson comme ça? Mes frères et sœurs, ça c'est pas normal. C'est tout simplement un démon qui vit dans l'eau. Et ce démon a fait partie des démons qui sont tombés du ciel avec le diable. Et malheureusement, dans les dessins animés aujourd'hui que les enfants regardent, on présente ce démon là comme une bonne personne et dans la tête des enfants. C'est une bonne personne, même des grands-parents, même des parents. Les parents se disent que oh, les sirènes, c'est extraordinaire. Et eux-mêmes, ils ne prennent pas à ces choses. Oh, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ne vous affaissonnez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Si tu ne sais même pas que c'est une œuvre des démons, si tu ne sais pas qu'une sirène, c'est un démon, que va-t-il se passer? Le jour où ton enfant va voir ça, toi, tu seras marché avec ton enfant. Et ton enfant verra ça, tu vas lui dire, oh, c'est bien. Puisque cette sirène est amoureuse de ce dessin animé, c'est que elle est bien, puisque l'amour c'est pas une mauvaise chose. C'est un démon. Le diable va jamais venir te dire qu'il est vilain. Il va venir se présenter comme une bonne personne, même se présenter comme une bonne créature à vos enfants, à nos enfants.
de sorte que les enfants puissent être séduits. Et partout où ils vont passer, ils vont voir ces genres de choses dans leur tête. Et c'est ce qui va se passer plus tard. Regardez. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez pour vos enfants? Que vos enfants s'habillent comme des démons? Même parfois, il y a les mamans, il y a les femmes qui permettent que les enfants s'habillent de façon sexy. Ce sont des genres de cadeaux que vous ne jamais offrir à vos enfants. Les vêtements sexy pour enfants. Les pantalons. Oh, mes frères et sœurs. Il y a plein de choses à dire. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez maintenant, cliquez sur la cloche de la TV et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Maintenant, faites attention à ce que votre enfant regarde à la télévision. Faites vraiment attention à ce que l'enfant même, aux amis de l'enfant, ce qui se dit, est-ce que l'enfant commence à être violent? Pourquoi l'enfant commence à être violent? Quel genre de musique l'enfant écoute? Parce que la musique aussi rend violent. Si vous ne savez pas, on vous le dit. Il faut faire vraiment très attention. Dans la prochaine vidéo, nous en parlerons. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Et soyez prêts parce que ça va être chaud. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse, frère et soeur. Waouh, c'est extraordinaire! Mes frères et soeurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire les dons. Vous pouvez faire les dons via Western Union ou encore PayPal. Waouh! La suite.